Massam, entreprise leader dans la fabrication et l'affûtage des outils de coupe. Massam a été créé en 2001. Aujourd'hui, les deux divisions de la société occupent un hall de production moderne. La première division fabrique des outils de coupe selon les exigences du client et fournit les services résultants. La seconde division produit des outils de presse et des moules de pièces de forme compliquée pour l'usinage 5 axes. Les procédés de production respectent le schéma suivant : conception, accord du client, fabrication, contrôle sur la base des exigences du client. Depuis 2013, Massam occupe un hall de production moderne d'une superficie de 3000 m² dans le parc industriel de Vrablay. Les machines CNC 5 axes les plus modernes tournent 24 heures sur 24. La plus grande machine est capable d'usiner un matériau de 3,50 m sur 6,50 m. La charge maximale supportée est de 40 tonnes. Chez Massam, le processus de production respecte la norme de qualité de fabrication et d'affûtage des outillages standards et spéciaux ISO 9001-2008. Une précision micrométrique, un mode totalement automatisé, des matériaux de haute qualité, une démarche et un service client professionnel, ce sont les paramètres indispensables qui font loi chez Massam. Massam démontre son haut niveau de professionnalisme par son propre scanner laser 3D. L'entreprise dispose de systèmes statiques et mobiles de mesure par laser 3D. Après le balayage par scanner, les techniciens de Massam traitent les données numériques dans le logiciel Satya, les corrigent selon les exigences du client et lancent ensuite la fabrication du produit. Ce procédé fait gagner du temps et de l'argent. Cette nouvelle technologie a permis de parfaire les contrôles de qualité. Massam a ainsi augmenté la production et les vérifications du produit. Tout est réalisé sous un même toit. Le produit ne quitte pas l'usine. Le client peut compter avec un service complet. La pièce usinée se mesure directement sur la machine. Depuis 2014, la société développe les domaines de la recherche et du développement. L'industrie automobile a besoin de matériaux solides. Mais ces derniers sont tendres et moins précis après emboutissage. La recherche dans ce domaine doit apporter des innovations pour éliminer ces manquements durant le processus de fabrication.